Bien, alors on va se faire une petite procédure de démarrage. 20h56. Ok, donc on a mis des freins, la mixture est en haut. Voilà, pied au plancher, n'importe quoi, pied sur le frein. Voilà, donc lui il fonctionne bien. Tout est arrêté à gauche. Voilà. Bien, alors, batterie. Ok, c'est détecté. Ah, tu m'as déjà mis la charge. Bon. Très bien. Pompe active. Injection. Pied sur le frein, dégagé devant, il n'y a personne. 3, 2, 1. D'accord. On coupe l'alternateur, on coupe la pompe. Avionique Master. Et ben voilà, donc c'était juste le bazar. One, three, and one, five. Take off runway. One, three, and one, five. Expect departure. Four, left, four, Sierra. Wind, 090 degrees, 8 knots. Cave okay. Temperature 1.4, dew point 7. QNH 1.032. Inform on initial contact that you have received information, Pavel. This is Lima Fox, Mike Pavel. Information, Pavel. Recorded at 1. Perpignan Tour de Fox Golf Hotel Alpha Mike au parking général. Bonjour. Pas le bon bouton. Fox Golf Alpha Mike, bonjour monsieur, reçu 5 sur 5. Fox Golf Hotel Alpha Mike, bravo, avec l'information bravo, demande de roulage pour tour de piste. Roulage pour des tours de piste. Ouais, tu peux me faire un petit bongo, LFMP, LFM, et puis TDP en sujet. D'accord, ok. Perpignan Tour, bonjour monsieur, Fox Eco Golf Hotel Uniforme. Fox Eco Golf Hotel Uniforme, bonjour monsieur, je vous reçois 5 sur 5. Fox Eco Golf Hotel Uniforme, Boeing en parking, on demande la clairance pour Bastia. On a l'information, papa. Fox Eco Golf Hotel Uniforme, destination Bastia approuvée, ce sera un départ Fox Juliette Romeo 4 Sierra. La piste 15 en service, le niveau monté initial 50050, transpondeur 5622, transpondeur 5622, et le QNH actuel est à 10.32, unité 0, 3 et 2. Donc un départ par Fréjour 4 Sierra de la piste 15, initiale 5-0, on transpond 56-22, QNH 10-32, Fox Hotel Uniforme. Fox Hotel Uniforme, correct, vous rappellerez, prenez la mise en route pour le repoussage. Appel pour la mise en
L'envoi et le repoussage pour que ça soit uniforme. La tour de Fox, Mike Bravo, plan de vol établi, est-ce que vous l'avez reçu? Négatif, selon je suis à scène de flottant. Je regarde. Négatif, moi j'ai de quoi mettre les points de départ, points d'arrivée, etc. Ensuite j'ai File flight plan, fetch, load, save, clear, close. Ah, ça y est, plan fleet, ok. Ah, ça y est, je vais me recevoir. Ok, bien vu. Donc la tour de Fox Golf Hotel Alpha Mike Bravo demande de roulage, donc pour des tours de piste. Fox Golf Alpha Mike Bravo, donc ce sera transporté 78 unités, il y aura donc ce sera une main gauche piste 13, 200 pieds QNH 10. De unité 03 et 2 prêt au roulage. 70-01 au transpondeur, roulage pour la piste 13, c'est bien noté pour le tour de piste main gauche, 1200 pieds. Pour information, vous avez 737 sur le tarmac. Visuel sur le 737 immobile. La tour de Fox Golf Hotel Alpha, Golf Alpha Mike Bravo, point d'attente 13, papa 13 pour un prêt au roulage. Ah, prêt. Fox
Bravo, depuis pas, alignez-vous, piste 13 autorisée au décollage, les vents variables 0,3 nœuds, donc ce sera un virage sur la gauche. Autorise alignement, décollage, piste 13, Fox, Mike, bravo. De l'uniforme pour la mise en route et pour repousser. Fox Hôtel uniforme, mise en route et repoussage approuvé face à l'est. Mise en route et repoussage approuvé face à l'est, Fox Hôtel uniforme. Pas d'inactif, pas d'alarme. Que vous mettrez le transport en mode Charlie, s'il vous plaît. Reçu pour le mode Charlie, Mike. Pas de pompe, pas de volet. Plus de volet. Faut que l'uniforme pour rouler. Faut que soit un uniforme, roulez sur le point d'attente de la piste 15 via Kilo et Alpha. Roule au point d'attente Alpha de la piste 15 via Kilo, faut que soit un uniforme.
tour de Fox, Golf Hotel Alpha et Bravo pour passer en base et un toucher sur la 13. Fox Mike Bravo, rappelez vent arrière main gauche. Fox Mike Bravo, je suis en fin de vent arrière main gauche. Ce mec, des 360 degrés par la droite pour retardement. 360 degrés par la droite pour retardement, Fox Mike Bravo. Tour le Fox Mike Bravo pour navigation locale au nord-ouest de vos installations. Fox Golf Alpha Mike Bravo, navigation nord-ouest des installations approuvées. Reçu pour le Fox Mike Bravo, navigation nord-ouest approuvée. Donc je prends un cap 330 actuellement et je m'éloigne donc du terrain. A tout à l'heure. Fox Hotel Uniforme, vous pouvez regarder Alpha de la piste 15, on est prêt au départ. Fox Hotel Uniforme, depuis Alpha, alignez-vous piste 15, autorisé au décollage, les vents sont variables pour 3 nœuds. Plus de volets, plus de ligne autorisée, piste 15, décollage autorisé, Fox Hotel Uniforme. Allez, on va mettre 1500 pieds. Reçu pour Fox Mike Bravo, je vais rejoindre la zone du tour de piste.
Fox Hotel Uniforme, contrôle tout terminé, la suite du vol sur Unicom 122 décimale 8. Je vous souhaite un bon vol sur Bastia et à bientôt. Et pour information, l'approche de Bastia est ouverte. On passe sur Unicom 122 décimale 8. Merci pour le contrôle. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, bon fin de journée. Bon, eh ben c'est bien, maintenant il n'y a plus qu'à retrouver l'aéroport, hein? Pour ce mec, le numéro 1, vous rappellerez finale piste 13. Numéro 1, je rappelle finale 13, Fox Mike Bravo. Étant peu familier des lieux, pourriez-vous me donner un guidage pour rejoindre une longue finale sur la 13, s'il vous plaît? Pour rejoindre la finale, 430, unité 3 et 0. Unité 3. 430, unité 3. Unité 3-0, Fox Mike, bravo. Je prends le cap à l'instant. Vous pouvez être en 8. Vous le répétez. Vous êtes à 3 nautiques de la piste 13. Ah, ça y est, reçu 3 nautiques de la piste 13. Un visuel, je suis pas tout à fait bien dans l'axe. Je m'aligne pour une très longue finale avec votre autorisation. Fox Mike Bravo. Fox Mike Bravo, piste 13 autorisé, toucher les vents variables pour 0.2. Autorisé, toucher piste 13, Fox Mike Bravo. Alors, on prend l'axe, on cherche 150, 900 pieds, on est dans l'axe, on casse la vitesse, un cran de volée, la pompe, un cran de volée, on reprend la vitesse, on est dans l'axe, mais on est trop bas. La tour Fox Mike Bravo en finale pour un toucher sur la 13. Fox Mike Bravo, piste 13 autorisée et finale autorisée complète pour donc les vents variables 0.2. C'était pour un toucher Fox Mike Bravo. Fox Mike Bravo autorisé toucher piste 13, les vents variables pour 0.2. Autorisé toucher piste 13, Fox Mike Bravo. Tu peux le faire sur la 15. Tu disais voilà. Moi je disais, le prochain toucher, tu peux le faire sur la 15. D'accord, on va essayer ça comme ça. Alors, plus de volets, plus de pompe, la réchauffe que je n'ai pas mise. Montée initiale. On est toujours sur le 130, c'est bien. Voilà, on prend de la hauteur. Hop, allez.
Alors, on va se caler pour un 15. Alors, 15, ça fait 50, ça fait 70. La tour Fox Mike Bravo en vent arrière pour un toucher sur la 15. Fox Mike, numéro 1, final piste 15 pour un toucher. Numéro 1 sur la 15 pour un toucher, je rappelle le final de Fox Mike Bravo. La série Vesalta. Je vais donc continuer. Ouais, encore un peu quand même. Ah bah oui, on est plutôt convergent. Deux crans de volée, j'ai overshooté. Fox Mike Bravo en finale sur la 15 pour un toucher. Fox Mike Bravo, piste 15 autorisé, touche les vents variables 039. Autorisé toucher sur la 15, Fox Mike Bravo. Sur une piste large, on fait attention. Un cran de volée, tiens, j'ai encore oublié la réchauffe, décidément.
plein gaz. La tour de Fox Mac Bravo pour quitter le tour de piste et faire une verticale château de Fals et revenir ensuite. Fox Mac verticale terrain monté 2500 pieds. La tour de Fox Mac Bravo. Pour la direction que je prends, la verticale n'est pas indispensable. Une direction vers l'est est suffisante. Et temps. Perpignan tour de Fox Mike Bravo, 2500 pieds, je me dirige donc sur l'étang, donc en direction du nord, ensuite je prendrai vers l'ouest, passerai vertical du château et réintégrerai le tour de piste ou une longue finale avec votre accord pour un complet sur la carte. Fox Mike Bravo, plan de vol modifié, approuvé, vous rappellerez en approche de l'installation sur la finale de la piste 15. Reçu pour le Fox Mike Bravo, je vous rappelle en finale pour la 15 et en approche donc.
j'espère bien qu'ils arriveront sur le vestibule de... Tu disais? Ouais, mais il essaye de m'appeler. Je vois son truc, mais je l'entends pas. Ah mince. La tour Fox Mike Bravo, donc je suis en descente vers 1000 pieds pour évolution autour du château. Fox Mike Bravo, descente sur 1000 pieds. Descente 1000 pieds approuvé, Fox Mike Bravo. Fox Bike Bravo 1000 pieds vertical du château pour un 360. Bonjour.
Fox Mike Bravo, fin d'évolution. Je rejoins donc 1500 pieds pour évolution vers le tour de piste main gauche sur la 15. Pour un complet. Fox Mike Bravo, c'est reçu, je rappelle, le final piste 15, Fox Mike Bravo. Ok, donc d'après la carte, en suivant la route, je vais me rapprocher de Rivesalt et je vais pouvoir intégrer la pente arrière. Voilà, 1000 pieds, c'est pas bon ça. Ok, on réduit la vitesse, on va se mettre en configuration vent arrière. Alors, la réchauffe, la pompe. pieds, on est passé dans l'air blanc, un cran de volet à gauche. À droite, on est toujours au 30, on a le divergé, la piste est là-bas, on va passer en base dans pas longtemps, 1200 pieds, vitesse trop basse, on commence. Pascal sur PS, je suis descendu sur le 1 avec vous. D'accord, ok, ben je me pose et puis je vous rejoins. Et 33, 23, 24. La tour de Fox Mike Bravo pour un essai radio.
La tour de Fox Mike Bravo pour un essai radio. Mike Bravo, piste 15, autorisé option, vivant 020 degrés. La tour de Fox Mike Bravo en finale, donc sur la 15 pour un complet. On est toujours bon, le seuil, on réduit gentiment et on réduit tout, on arrondit. La tour, le Fox Mike Bravo posé, vitesse contrôlée, roulage pour rejoindre le parking aviation générale. Alors la pompe elle est coupée, la réchauffe, l'écran. La tour, piste 15 dégagée, Fox Mike Bravo demande roulage pour parking aviation générale, aviation légère. La tour de Fox Mike Bravo, piste 15 dégagée, demande de roulage pour parking aviation légère. Fox Mike Bravo, reçu, roulez parking passager, constat de convenance. Juste pour ton information, il y a eu deux fois où je t'ai perdu. Ouais, j'ai vu ça et en fin de compte, c'est parce que tout à l'heure, quand j'étais en base. Je t'entendais plus du tout, j'avais entendu des petits bips au niveau de la radio. J'avais eu l'impression que la radio était passée, enfin était mise en croix comme tout à l'heure.
Donc je m'étais mis en transpondeur 7500. Je ne t'entendais pas évidemment, et quand je me suis posé, enfin que je suis dégagé la piste, j'ai regardé, il m'a dit transpondeur incorrect, et donc il avait déconnecté du réseau. D'accord, ok, alors je crois que 7500 ne l'utilise pas ultimement. À l'évidence. Il y a Yvon qui va se connecter. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces pistes? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Sinon, sur TS, on est descendu sur VFR 1. D'accord, reçu. Bon, allez, on va s'arrêter là. Alors, on coupe l'avionique master. Moins de 1000 tours, il veut pas. Et ses coupures, c'est arrêté. Plus de 1000 tours. Hop. On sèche. Et j'avais pas coupé l'alternateur. J'ai coupé l'alternateur. Elle avait pas de bouton là-haut, c'est tout coupé. Deux crans de volée. On ouvre la verrière. Ah oui, tiens, si j'avais dû revoir à la tour, c'était pas mal ça non plus. Et ben voilà, parce que